vacances et solidaires d'abord, c'est la rentrée. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée. Ouais, voilà, malgré les aléas. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre-Yves qui vient nous voir. Bonjour. Pierre-Yves Marais pour. Bon, alors je sais pas si tu viens pour la conf ou si tu viens à titre personnel. Tous les deux. Tu verras. Et donc, voilà, on va parler entre autres de la conf, donc grâce à Pierre-Yves. Et puis, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe. Et là, on ne sait plus où donner la tête, parce que notre République dérape à tous les niveaux, à tous les étages, ça part complètement en vrille. Hein. C'est vrai que c'est déroutant. On ne sait plus trop où on habite. Ouais, là, hein, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut arriver. À quoi on peut croire, là, maintenant on fait des élections, on vote pour quelque chose, c'est selon l'interprétation, l'état géométrie variable. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve avec trois groupes, mais bon, le nouveau Front Populaire était quand même sorti, disons, gagnant. Il y avait quand même 182 députés. Ensemble, c'était 163 députés. Le RN, 143 députés, et puis là... Enfin, c'est pas que le RN, hein, c'est alors, le RN avec Ciotti. Oui, avec Ciotti, oui. Ouais. Oui. Mais c'est tellement proche. Oui. Mais justement, c'est très proche de Barnier aussi. Hein. C'est très proche de Barnier aussi. Voilà. Et puis, on ne va pas les oublier quand même. Les Républicains, il ne faut pas les oublier, justement, aussi par de Barnier. L'UDI, les DVD, 68 députés. Oui, donc les Républicains, eux, ils doivent être à 47, je crois, tout seuls. Hein. Chose comme ça. On va dire et donc, c'est parmi les perdants qui a été choisi voilà, le Premier ministre. Mais donc, alors, on trouve que ça dérape à tous les étages, parce que ça a commencé à déraper déjà avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Qui s'y attendait à cette dissolution? Il semblerait qu'il a dissous parce que il avait quelque chose qui marchait mal, justement, pour la rentrée. Donc il fallait dissoudre avant la rentrée parce que ça allait mal se passer. Écoute, il devait avoir son plan, mais reconnaître qu'il est difficile à comprendre. Oui, mais il y avait un truc qui n'allait pas pour la rentrée. Et après, donc il a dissous, puis après, on a eu un premier tour où on nous a expliqué que Bardella allait être Premier ministre. Quand on a sorti Premier ministre du premier tour, on était sûr. Hein. Oui, et tous les organismes de sondage disaient que c'était Bardella. 27 organismes de sondage nous expliquent que Bardella est là, rien d'autre. Ça semblait incontournable. C'était plié. Je pense que même lui s'y croyait. Ah bah oui, oui. Il y a un front républicain qui, comme à chaque fois, arrive plus ou moins à se mettre en place, sans les LR d'ailleurs, hein, puisque les LR, il y a plein de LR qui ne voulaient pas se mettre dans ce front républicain. C'est quand même ça qui se passe. Et le Front républicain, aux surprises, arrive à faire un sursaut et fait que, en tout cas, le RN ne passe pas haut la main comme c'était prévu. Mais voilà, surprise, deuxième surprise. Ce qui veut dire aussi que les Français, justement, ne veulent pas, absolument pas, du RN. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre les deux tours, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui est important et qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a eu plusieurs députés RN qui ont eu des propos très 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 maladroits, c'est pour le moins qu'on puisse dire, et qui d'un seul coup, alors qu'on était en train de dédiaboliser ce parti en disant « mais non, c'est un parti comme un autre » et tout, c'est quand même des gens qui ont eu des propos extrêmement racistes pour certains, anti-républicains pour d'autres, enfin, etc. Et donc là, d'un seul coup, et c'est bizarre parce que la presse l'a relayé, parce que ces propos-là, ces gens-là, ils les ont tous les jours, hein. Mais d'un seul coup, ils ont relayé ça. Alors, ils n'ont pas relayé, par contre, les votes des députés du RN. Parce que, par exemple... Le RN, qu'est-ce qu'il vote, justement? Qu'il a voté, qu'ont voté les députés du RN? Ils ont voté contre... Ils sont pour la guerre. Ils sont pour Netanyahou, hein, déjà. Écoute, on leur pose la question, mais je pense qu'ils sont contre les Arabes. Ils sont pas contre, Il faut être clair. Ils n'aiment pas les Arabes. Ils n'aiment pas les Arabes, voilà. Et ils sont pour Netanyahou.
Je pense. Donc exceptionnellement, alors, ils ne sont pas antisémites là. En tous les cas, où vraiment on peut affirmer, c'est que les députés du RN ont voté contre la revalorisation des salaires des fonctionnaires. Ouais. Hein, de 10%, c'était la. Les frais de l'État, là, ça va, ça suffit, ça suffit. Ils ont voté contre la revalorisation des salaires au niveau du SMIC. Oui, mais ces gens, ils n'ont qu'à bosser, quoi. Ils n'ont qu'à bosser encore plus, ils n'ont qu'à faire des heures supplémentaires. Ils auront plus leur vie. Ils ont voté contre l'augmentation des moyens alloués aux hôpitaux. Oui, bah oui, le service public, c'est has-been, maintenant. Ils ont voté contre la gratuité des fournitures scolaires à la rentrée. Bah, ouais, ils ont voté déconner, quand même. T'as vu le prix d'un stylo, ça va, quoi. Ils ont voté contre l'augmentation du nombre d'hébergements d'urgence pour les sans-abri. Bah, ouais. Bah oui, les pauvres, ils étaient merdes. Bah hein. Oui, ils ont qu'à. Voilà. Il n'y a que 2000 enfants dans la rue qui dorment dans la rue. C'est pas beaucoup. Et puis ils ont voté aussi contre le rétablissement de l'ISF. Ben, l'ISF, de toute façon, il faut bien protéger les riches. Bah oui, voilà. Et contre le blocage des prix de première nécessité. En fait, ils ont voté pour le peuple. Bah oui, puis les gens, hein, les pauvres mangent trop souvent. Ouais, mais ils votent pour le peuple, tu vois. C'est clair, quoi. Voilà. Donc, votez RN, vous savez ce qui vous attend. Voilà. Voilà. Bon. Bref, on en était au dérapage. Donc, il y a des dérapages à tous les étages, quand même. Parce que, à la suite du deuxième tour, on se retrouve, oh, surprise, avec, en première... dans les trois blocs dont tu parles, ben c'est la gauche qui arrive en tête. Oui. Donc, on pourrait raisonnablement penser que soit la gauche se retrouverait aux affaires, ou si la gauche n'est pas suffisamment loin devant, ce qui est le cas, on pourrait penser qu'il y aurait, je sais pas, un mix ou quelque chose, ou au moins des discussions. On va dire que c'est la tradition, hein. Même si on écoute, même un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, il dit qu'il y a des étapes à ne pas franchir, disons, à respecter. Ouais. Et la première étape, c'était sans doute de nommer Lucie Castet. Voilà. Et pas de se, en tout cas, de ne pas être dans la position que se permet Macron, qui est de dire ben, « c'est moi qui censure ». Parce qu'au bout du compte, il explique que ces gens-là, ils seront censurés. Donc c'est lui qui censure. Écoute, il est peut-être dans le marc-café, moi je sais pas, mais il devait respecter les étapes. Hein. Ouais. Mmh. Alors que là, il a nommé Barnier, et à mon avis, je sais pas, mais je sens qu'il va être censuré aussi quand même. Hein. Enfin, je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais on verra. Mais justement, laissons faire. Peut-être que le RN a tout intérêt d'avoir ce Barnier avec plein de ministres qui, cherchaient l'erreur, sont tous compatibles quasiment avec la manif pour tous. C'est curieux, ça, quand même. Oui, ça fait un peu froid dans le dos, quand même. Oui, c'est un peu bizarre. Voilà. Et donc, est-ce que c'est le RN qui est déjà au pouvoir ou pas? Est-ce qu'on va y avoir droit, comme tu disais, quand on parlait tout à l'heure? En tout cas, en Ardèche, ils augmentent vachement. Hein. Mmh. Alors, ouais. Oui. Parce que je crois que dans le Nord... Là, dans le Nord, il y a un député, alors il n'est pas vraiment RN, il est LRRN, Ciotti. Ah oui, mais enfin bon... Je crois qu'il y a même qui est quand même... Il n'est pas... Oui, bah, enfin, je crois qu'il est quand même... Il est quand même Ciotti. Je crois qu'il est... Enfin, bon, Ciotti, ah, voilà, ouais. Ils sont... Trébuchet, Vincent Trébuchet. Trébuchet, voilà. Ouais. Ouais. Et puis, dans notre circonscription, nous, ici, il y a 35 voix d'écart. Ouais. Et sachant que le coup d'avant, le candidat RN était même pas au second tour. Quoi. Donc, il y a quand même une sacrée poussée. Hein. Et puis, dans la première circonscription, il est Solignac qui se fait quand même talonner, ouais. Donc il y a quand même, en tout cas dans le monde rural, ouais, il y a une grosse poussée de l'extrême droite. Moi ce que je me dis, tu vois, c'est qu'effectivement, à un moment, vu que la gauche n'a pas été au rendez-vous par rapport à plein de choses, hein, on regarde le gouvernement Hollande qui a eu, etc., les gens, il y a plein de gens du peuple hein, qui se sont tournés vers l'URN en se disant, bon ben voilà, on aura peut-être là quand même quelque chose qui va... Infléchir les choses pour nous. Maintenant, quand on entend effectivement tous les votes que tu nous as dit, Alain, juste à l'instant, et puis quand on voit la façon dont ça se passe, donc finalement, un Barnier leur convient bien, mais quand tu vois ce que fait LR et la conception de ce gouvernement qui va se retrouver là, qui va être macro-compatible d'une part, et qui d'autre part sera très sur le LR, donc qui va être très dur par rapport au peuple, hein, faut pas vous raconter d'histoire, quoi. Hein.
Ouais, ou est-ce qu'il n'y a pas justement un rejet d'une forme de parisianisme qui serait lié ça, au... c'est autre chose. Ouais, bah, mais oui. Qui fait qu'en fait, il y a une assimilation du pouvoir à une forme d'élite parisianiste, si j'ose dire, et qu'en fait, le LR joue là-dessus en disant que bah, eux, ils sont beaucoup plus proches, en défendant des idées liées au travail, à des valeurs qui sont peut-être plus assimilables dans le monde rural. Je sais pas. En tout cas, même dans le monde agricole, la coordination rurale qu'on peut pas, assimiler au RN, enfin qui défend quand même des idées très 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 à droite, est en pleine progression également. Quoi. Alors avec tous les dangers que ça représente, parce que moi j'ai entendu Bardella, en fait le gros discours de la coordination rurale, c'est de dire laissez-nous travailler. Ne nous mettez pas d'interdiction. Et j'ai entendu Bardella défendre ça aussi en disant oui, mais on vous laissera faire comme vous avez envie. Mais en fait, ces interdictions qui sont mises en place par moment sont pour protéger les paysans, notamment la suppression des pesticides, des trucs comme ça. Donc en fait, ils sont en train de leur dire continuez à vous empoisonner, continuez à travailler, à vous endetter, continuez à être dans cette mouvance de l'économie agricole actuelle. Et en fait, je trouve que c'est hyper violent pour les agriculteurs d'entendre ça. Oui, et puis aujourd'hui, on est aussi dans une politique, je pense, de plus en plus, malheureusement, une politique de marketing. Hein. C'est-à-dire, les gens, ils se vendent, en fait. Hein. C'est-à-dire, il est prêt à adhérer à dire n'importe quoi. Et puis après, on voit bien les résultats des votes du RN. Hein. Donc, c'est pas des mecs qui sont animés par des valeurs, hein, comme il y a eu à une époque, on avait quand même une qualité de politique. Hein. Il y en avait un mec de droite, mais il avait des valeurs de droite, enfin, il défendait son bifteck. Eux, ils sont prêts à dire n'importe quoi. Mais c'est le néolibéralisme, ça a commencé avec. Hein. Ouais, ça a commencé avec. Ils grossissent. Il faut se méfier beaucoup de la dialectique. T'as qu'à voir Trump, c'est le produit. C'est le produit. Tout à fait. Donc dans les dérives, dans le ça dérape, il y a quand même Coquerel et De Courson qui essayent de demander où en est le budget, d'avoir des idées sur le budget. Bah oui, parce que Coquerel, il est président quand même de la commission des finances. Normalement, ils auraient dû avoir, on aurait dû leur communiquer les documents, mais finalement... Ben, Matignon les a refusés, les a refusés, leur a dit que c'était pas prêt, alors qu'en fait, ils étaient hyper en retard. Matignon était hyper en retard. Ouais. Et puis après, ils sont allés les réclamer, carrément à Bercy, mais Bercy n'a pas voulu les donner non plus. Alors je crois qu'ils les ont enfin obtenus. Ah, ils les ont enfin obtenus, alors donc Coquerel dit, en tenant compte d'une inflation à 2%, on va se retrouver avec à la santé moins 38%, à l'aide publique au développement moins 21%, au sport moins 12%, à l'outre-mer moins 9%, au travail moins 8%, à l'agriculture moins 8%, à l'immigration, etc., moins 6%, recherche sur l'enseignement supérieur moins 3%, enseignement scolaire moins 2%. Mais par contre, on a un budget des armées et de l'intérieur qui est en augmentation. Ah, c'est chouette. On va être mieux protégé. Oui, et puis la dette, quoi. Enfin, s'il y a un gouvernement qui l'a vraiment mal géré, c'est bien le gouvernement de Macron. Alors certes, il a eu le Covid, mais en 1980, la dette, elle était environ de 100 milliards, inférieure à 100 milliards. En 2003, elle a franchi les 1000 milliards. En 2008... elle était à 1500 milliards. En 2020, elle a passé le cap des 2500 milliards. Elle était donc pour la première fois supérieure à 100% du produit intérieur brut. Ouais. Et en 2023, elle a franchi les 3000 milliards. Voilà. Gouvernement Macron, en gros, 1000 milliards. De dette supplémentaire entre 2017 et maintenant. Ouais, au moins 1000 milliards, à minimum. Et je ne parle pas du moment où Macron était à l'économie sous Hollande, parce que ça avait déjà commencé à déraper fort. Et que, si on prend ces chiffres-là, on se rend compte que les super riches, les 500 fortunes les plus fortunées en France, ils sont passés d'une fortune qui était établie à peu près à 200 milliards il y a pratiquement 15 ans à 1200 milliards maintenant. Tu te rends compte, la politique qui a été menée à la fois par la gauche hollandiste et donc par Macron déjà, hein,
plus le quinquennat, le septennat Macron, parce qu'on est quasiment à un septennat, ben voilà ce que ça a donné. Bon, ouais, ça dérape à tous les étages. Alors c'est vrai que moi je voulais parler d'un tout petit truc avant de donner plus la parole à Pierre-Yves, c'est par rapport à Anticor. Anticor a été rétabli dans le fait qu'il est à nouveau pertinent pour Anticor. Il est reconnu. Il fallait qu'il à soit nouveau reconnu par les instances. Il fallait que l'État lui donne un agrément. Enfin bon, bref. Mmh. Cet agrément, il faut savoir que quand même, il leur avait enlevé en 2021. Et que voilà à quoi sert Anticor normalement. Hein. Il sert à réhabiliter la démocratie représentative. Il sert à promouvoir la probité politique, à lutter contre la corruption et la fraude fiscale. Chercher l'erreur. Ils ont du boulot. Hein. Ouais, ils ont du boulot. Mais donc, eux, ils ne pouvaient pas avoir d'agrément sous Macron, quoi. Tu vois un peu le truc, donc chercher l'erreur. S'ils ne peuvent pas avoir d'agrément, bah, c'est parce que tous ces critères qu'ils défendent, Anticor, bah, ça convient pas à Macron. Et ils l'ont à nous. Et en fait, ils l'ont eu parce que, d'une part, le tribunal a condamné l'État à leur redonner l'agrément, d'une part, et condamné l'État à 1000 euros d'astreinte par jour tant qu'il ne leur donnait pas l'agrément. Donc, excusez du peu quand même, hein. Même si c'est l'État, 1000 euros par jour, bon, ça les a fait quand même pas réfléchir. Mais surtout, c'est Gabriel Attal qui se barre, parce qu'il est obligé de se barrer, au moment où tombe le truc du tribunal, et juste avant de partir, il leur donne l'agrément. Peut-être pour mettre ça un petit peu dans les pattes à Macron, j'en sais rien. Enfin, bon, voilà. Alors, Pierre-Yves, tu viens nous parler de l'agriculture, des agriculteurs, de surtout de la Confédération paysanne. Et qu'est-ce que vous pouvez arriver à faire, vous, dans ce monde qui part complètement à gros trous? Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire, hein? Ouais, bah juste quand même pour rappeler que cette année 2024 n'a pas été très facile. Pour le monde agricole, on a eu un printemps assez compliqué, assez pluvieux, avec un peu partout des difficultés. Alors ça se répète, hein, ça se répète de plus en plus. Alors, il y a deux grosses inquiétudes qui ressortent de ça. La première, bah, c'est qu'il n'y a pas de traitement de fond, c'est-à-dire qu'on ne fait rien, on continue le même. On ne voit pas de grandes réformes qui nous permettraient d'espérer d'avoir des politiques qui luttent efficacement contre le réchauffement, enfin, le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. Donc on sait qu'on va continuer à subir et qu'on subira encore tant qu'il n'y aura pas. Et aggraver, disons. Ça va s'aggraver, ouais, voilà, des épisodes de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. Alors ça a toujours existé, la grêle, ça a toujours existé, le gel. Mais là, c'est de plus en plus fréquent. Il fait des hivers beaucoup trop doux, donc la végétation démarre plus tôt. Les gels tardifs ont de plus en plus de conséquences, du coup. Les épisodes de grêle sont de plus en plus violents, ça je l'ai dit, et ça s'avère de plus en plus fréquent. On a vu tout ce qui s'est passé dans les inondations dans le nord de la France, hein, qui ont eu des catastrophes. On a une récolte de céréales qui est faible cette année, alors pas partout, mais en tout cas en France. Et donc voilà, ce qui nous interroge, c'est que c'est Chirac, hein, qui disait ça, hein, la maison brûle et nous on regarde, et on regarde d'ailleurs. Ouais. Bon, Chirac, c'était pas un mec de soulèvement de la terre, mais il disait ça en 2002, je crois. Oui, donc ça fait déjà 22 ans. La première conférence contre le climat de Rio, c'était en 1992, donc ça fait 32 ans. Donc c'est pas des. Bon voilà, donc là on se dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce qui était dit tout à l'heure, c'est que le peu de solidarité qui était mis en place, c'est-à-dire les calamités agricoles qui sont supprimées. C'est-à-dire que maintenant on va vers l'assurance privée. Donc ça c'est un système. C'est grave, oui, parce que ça veut dire que maintenant on peut s'assurer, hein, c'est-à-dire qu'on il nous est recommandé de nous assurer. Puis la PAC c'est des aides que touchent les agriculteurs. Elle est en deux piliers. Le premier pilier sont les aides directes, le deuxième pilier les aides agro-environnementales, les aides indirectes. Et il y a des aides pour l'assurance privée qui sont prélevées dans le deuxième pilier. Donc en fait, qui sont supprimées des aides agro-environnementales. Ouais. Donc au lieu d'aider les gens à transiter vers une agriculture plus saine, on les aide à s'assurer. Donc en fait, c'est comme on ferait mieux à la limite, pour être un peu cynique,
de donner l'argent à Groupama, quoi, direct, en disant. Direct. Et enfin, Groupama et d'autres, parce qu'il y a pas que Groupama. Groupama est quand même le principal assureur de l'agriculture. Donc voilà, donc grosse inquiétude, et bah ouais, et puis on voit pas le bout du tunnel, quoi. Donc on sait que l'année prochaine sera peut-être mieux, peut-être pas. Voilà, puis en Ardèche, juste quand même pour dire qu'on a un épisode difficile pour les éleveurs, surtout au vin, qui souffrent de la fièvre catarrhale, ovine, qui fait quand même beaucoup de dégâts. Et là, c'est pareil, il y a eu très très peu d'anticipation. On a attendu vraiment le dernier moment pour voir ce qui pouvait être fait au niveau de la vaccination et de la lutte contre la maladie. Donc en fait, il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Bon, ça va se calmer parce que c'est transmis par un petit moucheron qui va disparaître avec l'arrivée du froid. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Alors après, tu voulais aussi nous parler du bon côté, il va y avoir une fête. Oui, il y aura la fête de la conf à Valvinière, au Mas d'Intra, donc c'est un domaine viticole qui aura lieu le week-end du 12 octobre, le samedi 12 octobre, avec tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site de la Confédération Paysanne, des débats, Là encore, il y a un film ou pas? Alors non, il n'y a pas de film, non, ce coup-là, il n'y a pas de film. Il y aura un festival du cinéma paysan qui aura lieu au mois de janvier. Et donc ça, c'est dans plus longtemps, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Alors donc, sur cette fête qui a lieu à Valvinière, tu voulais donner des précisions ou... Ben, y a toute la journée, le matin, il y a des balades dans les vignes, l'après-midi, il y a une conférence avec Claire Lamine, qui est ingénieure agronome, sur la transition écologique et qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver, de ce que je disais tout à l'heure. Comment ça se fait qu'on pédale dans la semoule, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Et puis après le soir, il y aura la fête, quoi. Ouais. Fiesta. D'accord. Tu voulais rajouter autre chose? Non, non. Juste un tout petit point avant qu'on vienne au local, parce qu'on va parler du local. Moi, je voulais juste dire, ben voilà, l'extrême droite est au pouvoir avec Netanyahou. L'extrême droite chez nous valide Netanyahou, hein, ne l'oubliez pas. L'extrême droite est aussi en face avec le Hamas et le Hezbollah. Enfin, moi, je trouve que, voilà, très clairement. Ouais. Et donc, l'extrême droite génère la guerre. Votez extrême droite? Posez-vous des questions, peut-être. Ouais. Bon, alors, oui, au local. Eh bien, au local, on voudrait vous parler de la famille missionnaire de Notre-Dame. Vous savez, c'est à Saint-Pierre-de-Colombier. C'est une communauté de mouvance traditionnaliste. Elle passait au tribunal. Enfin, c'est le père Bernard. Ou civil, parce qu'en fait il a un nom ce monsieur, il s'appelle Gérard Pineda, il a 73 ans, et il sera jugé sur 3 jours, ça a été reporté, on va dire, du 24 au 26 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Privas. Alors je vais vous rappeler rapidement les faits, il y a 5 plaignants, 4 femmes et un homme, qui accusent la congrégation d'avoir entre 2015 et 2020 coupé les liens qu'ils entretenaient avec leur famille, d'avoir altéré leur jugement, d'avoir recruté des personnes fragiles ou encore de les avoir empêchés de rencontrer un médecin. Alors les opposants à la famille missionnaire à Saint-Pierre-de-Colombier estiment que le dossier s'épaissit parce que la parole se libère aujourd'hui au sein de la communauté et que d'autres personnes dont ça s'ajoute, elles sont prêtes à dénoncer les agissements de la communauté et particulièrement donc du père Bernard, c'est-à-dire Gérard Pinette, 73 ans. Voilà. Alors, le père Bernard a essayé d'annuler cette convocation au tribunal, etc., en disant qu'il y avait un vice de forme et tout. Et il s'est fait rappeler à l'ordre par le président du tribunal qui a reporté ce jugement pour plus d'informations. Donc, il va y avoir d'autres personnes qui vont être interviewées, hein, par rapport à ce qu'il a fait. Et le président du tribunal lui a expliqué qu'il n'était pas sérieux. C'est-à-dire qu'il l'a tensé, quoi, même carrément dans le tribunal, en se moquant de la façon dont il avait essayé d'invoquer un vice de forme, en lui disant c'est pas sérieux. Vos arguments sont pas du tout dans les clous. Alors, on voulait parler d'un autre truc au local. C'est hier soir, moi je suis allé voir un film à Sainte-Eulalie, sur le plateau Ardéchois, et il y avait un premier film d'une série qui s'appelle Pagel, qui a été fait par Valentin Chaniac, le fils de Jean-François Chaniac, le restaurant à Saint-Nicolas-Doulay.
C'est pas pour ça que je parle de Valentin, parce que je l'ai eu comme élève il y a très longtemps, j'aimais bien ce jeune. Et en fait, là, d'un seul coup, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui fait un film extraordinaire. J'ai énormément aimé, sur la mémoire du plateau Ardéchois. Et c'est vraiment à voir. C'est en 4 séries, il y a 4 volets. Au total, ça dure 7 heures, il y a à chaque fois 1h30 de film. Alors il va peut-être le mettre sous forme de 8 séances de 50 minutes. Je ne sais pas encore comment il va faire. Enfin là, moi j'ai vu le premier volet de ce film-là, puisque en fait il avait fait 4 volets, 4 saisons. Et là c'était l'hiver, et c'était très 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 chouette. Et toi alors, Alain, t'as eu fait un film toi aussi hein, sur la Moi j'ai fait un film, oui, dans les années... le film est sorti en 60... Il était tourné en 74-75 et sorti en 76. Le titre c'était Derrière la porte, hein. C'est un film qui est passé à l'USAS, hein, disons au début de l'USAS, hein, ça devait être le premier ou le deuxième l'USAS. C'est un film, oui pareil, hein, j'avais 22 ans et il me semblait que le monde allait changer. Et en fait, oui, il a bien changé. J'avais envie, disons, de filmer, de montrer surtout, et de garder un souvenir de tout ça, de tous ces anciens qui vivaient autour de moi, parce que je vivais dans un petit village qui s'appelait Saint-Symphorien-de-Mahun, qui était dans le nord Ardèche, qui était un petit peu le bout du monde, et voilà, donc j'ai passé du temps avec ces gens, quoi. Et je le passe assez régulièrement, hein. Je vais le passer à nouveau dans le nord Ardèche, à cet lieu, alors c'est pour la journée du patrimoine, donc je ne sais plus exactement la date, et puis de temps en temps on me le demande à droite à gauche. Il faut qu'on finisse vite fait. Excusez-nous Sylvain, à bientôt, au revoir, portez-vous bien. Au revoir.